Eh bien, yo tout le monde, on se retrouve pour ce petit aparté entre nous pour juste vous informer que la DG Team arrive sur Star Citizen. On a officiellement ouvert notre corporation sur le site RSI. Donc, je vous donnerai tout dans la description de la vidéo. On recrute toutes sortes de personnes, d'accord? Débutants, anciens, vétérans, ce que vous voulez. Tous les débutants, on les prendra en charge pour leur expliquer de A à Z le jeu, pas par un simple tuto, par des partages d'écran et tout ce qui va avec. Ça les aidera beaucoup, beaucoup plus. Donc sur le site RSI, vous pourrez voir qu'on est en chasseur de primes et en contrebande. Donc ce n'est pas totalement faux, mais pas totalement vrai. C'est-à-dire qu'on va pas se limiter à deux activités, on va vraiment faire une globalité de nos activités. On va essayer d'avoir un peu le nez un peu partout. Et en plus, voilà, si on peut aider les nouveaux, que ce soit pour le farming, pour le minage, pour le salvage, on le fera aussi. Donc, dans la description, les amis, il y a le Discord et le site pour nous rejoindre sur JCR ici. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir en masse. Et il y aura aussi mon code de parrainage pour tous ceux qui vont créer un compte. N'hésitez pas à nous soutenir et on espère faire une belle aventure sur Star Citizen. Voilà. Bonne vidéo à vous. Eh bien, yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo qui va en faire plaisir à plus d'un. On va faire une vidéo sur la route commerciale, sur une route commerciale qui en ce moment peut rapporter plusieurs millions d'AUEC en un run. Donc normalement, je dis normalement, si je ne m'abuse, on peut toucher jusqu'à 6 millions 8 ou 6 millions 5. Je vais pas m'abuser sur ça. Je l'ai découvert très récemment avec les amis, vu qu'on sait qu'il y a des nouveaux avant-postes qui ont été mis en place. Donc là, moi, je vais sur Hearthstone pour ces avant-postes. Il y a trois avant-postes sur Hearthstone. Il y a Rappel, Pickerfield et Marker Point. Donc c'est trois avant-postes. Alors attention, parce que Marker Point, mes collègues ont eu quelques bugs là-bas, quelques soucis. Donc moi j'en ai pas eu particulièrement. Mais mes collègues m'ont dit comme quoi il y avait eu quelques petits bugs là-bas. Donc à peut-être éviter. Donc là je vais trouver Marker Point, Rappel ou Pickerfield pour aller là-bas. Donc là c'est une route commerciale. Donc le. C'est on va dire, un autre style de vidéo que je fais depuis le départ, hein. J'ai fait les routes commerciales de gold, beryl, la contrebande, et là du coup, même si ça va pas être le même titre de la vidéo, ça va être en grande partie, bien entendu, comment se faire des millions d'AUEC sur Star Citizen, tout simplement parce que c'est le cas. Donc là, il faut du coup trouver. Tac, tac. Ah, mais c'est vrai que c'est rappel. Voilà. Donc, on va y aller tout de suite. On a 800 km. J'espère qu'il n'y aura pas de monde dessus. J'aimerais passer faire une petite vidéo assez sympatoche. Donc, à savoir aussi que au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 20. Donc, à savoir que c'est maintenant depuis quelques jours, cette technique existe. Je l'ai pas fait avant parce que j'ai tourné d'autres vidéos, comme vous avez pu le voir sur la chaîne précédemment. J'avais d'autres idées et je voulais pas les perdre. Donc en plus, vu qu'il y a toujours du gameplay qui arrive, et en plus avec les vidéos actu qu'il y a, moi j'aimerais bien en faire des vidéos actu, mais je suis pas très bon dans ce domaine. Donc ce serait du gâchis complet de faire ce travail à la place de d'autres personnes qui le font d'ailleurs très très bien. Hop. Attendez. Je vais remettre mon. Imagine, il veut pas, ça fait plaisir. Donc, pour les vidéos actu, je vous conseille d'autres chaînes telles que Terada, Wall Is War, ou je sais pas si Dayoum en a fait ou pas, mais je sais qu'il faisait quelques vidéos à l'ancienne sur ça. Donc, je vous les conseille parce que personnellement, je suis pas très bon pour ça. Donc, autant pas leur prendre leur travail, j'ai envie de dire. Même si, bon, c'est pas un travail qui appartient à une personne ou quoi, mais. Ok, bon, il y a un vaisseau sur place, ça fait pas plaisir. Donc, bon, après, voilà. Donc, pour les vidéos là-dessus, je vous laisserai voir, mais en tout cas, vu qu'il y a des nouveautés qui vont arriver là pendant 6 mois, on aura de quoi faire pour les vidéos normalement sur Star Citizen. Il y a de quoi se faire.
pas mal plaisir. Du coup, on se retrouve dès que je suis arrivé sur place, même si c'est pas dans très longtemps. Je préfère qu'on se retrouve directement là-bas. A tout de suite. Donc, tac, je vais descendre par l'ascenseur en espérant qu'il n'y ait pas de joueurs sur place. Après, je sais pas si c'est récent ou pas, le Valkyrie et. C'est un Scorpius, c'est un Scorpion, je sais pas. Merde. On veut les effrayer, autant pour moi. Ils ont des armes, c'est ce que j'étais en train de me dire. Excusez-moi. Tac, alors. Utiliser, acheter produit. Donc, tac. Donc, comme vous voyez, là, à l'heure actuelle, en fait, il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de stock parce que c'est un truc qui est fait. Pas fait encore beaucoup et vu que ça vient d'arriver, autant le. Le mettre à fond, donc là, hop, mon Hercule, il est blindé, donc c'est ce que je voulais. Donc là, à savoir que, faire très attention, c'est comme tout truc commercial, les amis, hein. Faut faire vraiment gaffe à où vous allez, ce que vous faites, et après, où vous allez aller, parce que faut pas oublier que c'est de l'argent que vous investissez. Là, vous voyez, par exemple, moi, je me suis très mal branlé, hein, parce que s'il y avait du monde, bah ils auraient pu me niquer. Donc c'est pas très très intelligent de ma part. Parce qu'ils auraient pu largement me déglinguer. Surtout que là, enfin. C'est assez simple de niquer quelqu'un. Hein. Sur un vaisseau ou à pied. En sniper, c'est vite, vite vu. Donc là, comme vous avez vu, ça m'a coûté à peu près 5 millions. D'accord, en plus. Je vais devoir faire un jump. Un jump qui n'a pas voulu se faire, super l'ambiance. Pas de gravité. On va essayer de rentrer par devant du coup. ça va être vite vu, j'espère que il va pas y avoir de problème avec le vaisseau. Tac. Donc moi je trouve ça bien les avant-postes comme ça où il y a un peu de vie. Et où d'ailleurs, où c'est la nouveauté, on va dire, entre guillemets. Hop. J'aime pas ça. Vite, fermé. Faut fermer là, mon pote. Ok, c'est bon. J'aime pas ce genre de truc. Je me suis garé comme une bite, hein. Faut dire la vérité. Mais du coup, ouais, c'est des beaux avant-postes. Donc du coup, écoutez, on va se retrouver. On va se retrouver à Hearthstone. Enfin, Hearthstone, on y est déjà dessus. Mais à leur ville, où je mettrai directement en vente. Où je vendrai tous ces petits trucs directement. Et que nous voyons combien ça peut nous rapporter. Je vous dis à tout de suite. Donc les amis, je reprends la vidéo un petit peu avant d'arriver au centre pour vendre les minerais. Tout simplement pour en fait vous parler, pour savoir vous si vous allez faire ça ou pour vous arrivez à mieux le vendre. Comment expliquer ? Vu que ça vient d'arriver, c'est une nouvelle feature. Sur les sites tels que DPS Calculator, non, HF Calculator, je sais pas quoi. Je m'en rappelle plus exactement le nom du site, des sites là, mais les sites qui nous servent constamment à vérifier les prix à droite et à gauche. Est-ce que vous, en commentaire, vous pourrez partager, vous, aux autres, ou à moi-même, où vous vendez le mieux? Moi, personnellement, je vends à leur ville. Si les gens trouvent, si vous dans la communauté vous trouvez un endroit peut-être où ça se vaut plus, on peut vous revendre un peu plus cher qu'à leur ville, écoutez, partagez-le en commentaire, ça fera plaisir. À savoir que les sites, il y a du monde qui disent que c'est un site, les sites sont pas plus mis à jour et sont abandonnés en fait par les membres qui gèrent le site. C'est pas vrai.
C'est pas tout à fait vrai. On va dire que les mises à jour prennent plus de temps parce que avant quelques mises à jour, je crois, on pouvait encore avoir des coordonnées, des chiffres in-game, enfin, dans les dossiers de Star Citizen, pour savoir où, par exemple, ça se vendait mieux. Et en gros, ils se mettaient à jour via ces fichiers-là. Maintenant, il n'y a plus tout ça. Donc, en fait, c'est un travail communautaire. Donc, c'est en gros les informations qui sont vérifiées in-game, qui sont après mises sur le site manuellement. Donc, c'est pour ça que ça met plus de temps, mais soyez patients, comme eux, je sais pas si c'est leur travail de faire ça, mais en tout cas, voilà, faut être patient, ça arrivera, les mises à jour arriveront tôt ou tard, et juste éviter de les accabler, quoi. Donc, on a payé 5 millions et des brouettes. À l'aller. Donc là, on peut en vendre 114. Ça fait 1 500 000. Et j'ai vendu qu'un petit truc. Donc ce qu'on va faire, c'est que je reviendrai vers vous dès que j'ai tout vendu. Donc ça fait 1 million par 1 million. Je vous laisse faire le quart. En gros, là, on va se faire 1, 2, 3, 4, 5. Voire 6, ouais, sinon c'est 6 millions. Donc écoutez, je fais une petite pause et je reviens tout de suite. Donc, voici la dernière vente pour 1 619 000. Donc, on a fait à peu près 1 million de marge. Comme vous pouvez le voir, j'étais au début de la vidéo à 1 700 000, je crois. Et on finit sur 12 millions. Donc, c'est un truc où on peut se faire des millions selon les points de vente. Là, comme vous pouvez le voir, moi, j'ai attendu un petit peu de temps. Je crois que j'ai attendu pas loin de... Allez, une demi-heure pour faire à peu près une marge d'un million, on va dire. Je grossis les chiffres, j'ai pas exactement les chiffres, hein. Au montage, je mettrai combien exactement on s'est fait entre ce moment-là et le départ. Donc c'est pas insane, mais c'est pas peu. Faut savoir que aussi. Il y a plein de monde qui oublie de vous dire, ceux qui vous font des vidéos, comment gagner des millions d'AUEC, tout est provisoire. À savoir que même si vous trouvez un job qui rapporte des millions, il va forcément moins rapporter. Au début, la contrebande, ça rapportait des millions. Là, ça rapporte un peu moins, comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo. Le Bounty Hunter, à l'ancienne, c'est qu'on pouvait faire des 17 millions par vague. Maintenant, on a du mal à atteindre les 7 millions. On va dire, il faut faire une dizaine de Bounty Hunter pour atteindre ça. Et encore, c'est parfois pas le cas. Je pense à Jésus qui se reconnaîtra s'il regarde la vidéo, qui a farmé pendant 2 jours pour avoir 10 millions. Donc, c'est pas pareil. Là, par exemple, moi, je sais qu'on fait 1 million là en moins d'une demi-heure, 1 heure. C'est très, 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 c'est très bien. Mais c'est pas non plus insane. C'est pour ça que je vous dis, ne vous fiez pas pour l'instant aux prix qui sont mis. Surtout qu'en sachant que quand la 4.0 sera là, il y aura énormément de gameplay qui seront ajoutés en termes de commerce. Avec Pierrot, tout sera là. Mais faut faire attention aux vidéos qui vous disent gagner des millions en temps d'heure ou quoi. C'est pas totalement vrai. Je suis en partie là, on va dire, pour rétablir certaines vérités, dont celle-ci pour le recyclage. On peut se faire beaucoup d'argent, mais de là à faire des milliards, je ne pense pas, hein. Comme vous pouvez le voir, au début de la vidéo, j'étais à 11 millions et des brouettes, là je suis à 12 millions en une demi-heure. Et en une demi-heure, je suis gentil, parce que comment dire, ils n'ont pas accepté tout d'un coup. En fait, c'est vendu en plusieurs fois, en 3-4 fois. Donc c'est pour ça que je vous dis,
méfiez-vous des vidéos. Sur ce, les amis, n'oubliez pas que la Corpo recrute toujours. Le Discord est dans la description. Rejoignez notre Discord et faites votre candidature en même temps sur le site. Comme ça, vous pourrez avoir l'opportunité de nous rejoindre. Si vous aimez pas jouer solo, ce qui est compréhensible, c'est chiant à force. N'hésitez pas à nous rejoindre, on peut jouer tous ensemble. Ceux qui débutent dans le jeu, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi. On peut vous apprendre les bases. Si vous avez l'envie de jouer à Star Citizen, on pourra vous guider un peu sur le jeu. Et pour tous les nouveaux comptes, toutes les nouvelles personnes qui souhaitent acheter Star Citizen, ce serait le moment de l'acheter maintenant. Avec les promos de Noël, c'est le moment. Donc n'hésitez pas à mettre mon lien, mon code de parrainage qui est dans la description à la création du compte. Ça serait un geste énorme. Il y a déjà quelques personnes qui l'ont fait d'ailleurs. Je vous remercie énormément. Je ferai une vidéo de remerciement ultérieurement pour remercier toutes ces personnes qui ont utilisé mon code de parrainage. Et n'oubliez pas le petit commentaire, le petit like et il y a toujours mon Tipeee dans la description pour ceux qui souhaitent me soutenir. Allez, ciao.